ravie d'être à Tours en fait. Moi je suis journaliste d'investigation et un jour on m'a appelé en me disant est-ce que tu veux travailler sur les abattoirs. Alors je me suis dit bon. Moi je mange de la viande, je le cache pas, j'en mange pas beaucoup, j'en mange, mais j'ai un souci, je peux pas toucher la viande, le sang, tout ça c'est très, très compliqué pour moi. Donc je me suis dit abattoir, sang. Ça va pas être évident, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, le challenge est là, c'est-à-dire qu'on me dit, va voir si tu peux faire quelque chose, et du coup j'ai dit ok. En me disant que quand je rentrerai dans un abattoir, ça serait pas forcément évident, puisque forcément si vous êtes un peu... Moi vraiment je peux pas éviter un poulet. Alors en même temps, j'ai beaucoup voyagé, et c'est vrai que quand vous vous trouvez dans certains pays où il n'y a que de la viande à manger, je prends la Mongolie par exemple, vous mangez de l'agneau, je crois que les gens ils mangent 145 kg d'agneau par an, juste pour dire, il n'y a que ça. Quand vous avez un peu de chance, c'est qu'il y a des trains qui viennent de Russie ou qui viennent de Chine, ils ont un peu de tomates, un peu de concombre en boîte. Mais sinon, ils mangent de l'agneau, du lait. Et en plus, alors ils mangent pas de l'agneau du tout, par contre, je vous dis une bêtise, parce que les Mongols ne mangent pas d'agneau, ils mangent de vieux moutons. Leur principe, c'est que les jeunes animaux ne se mangent pas. Bon, c'est une autre culture, mais ils n'ont pas le choix, ils mangent de la viande, ils en mangent beaucoup. Bon, moi j'arrive dans les abattoirs, je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a à y voir? On me donne un document, on me dit il y a un rapport de la Cour des comptes, est-ce que tu viens regarder ce qu'il y a dedans? Et le rapport en question dit que 46% des abattoirs, à l'époque c'était 2009, étaient non conformes. Donc c'était beaucoup. Depuis, il y a eu énormément de rapports, toujours très alarmants d'ailleurs, et des rapports des inspecteurs vétérinaires européens notamment. En 2006, 2009, 2012, 2013, 2015... À chaque fois, ils ont fait des rapports en disant « Attention, vos abattoirs ne sont pas conformes. » En général, parce que ça dépend aussi, il faut voir en particulier. Il y a des soucis sur certains abattoirs. Il n'y a pas assez de services vétérinaires. Ça, c'est le point majeur, en tout cas pour les inspecteurs vétérinaires européens. Et s'il n'y a pas assez d'inspections vétérinaires, bah, du coup, on a du mal à respecter le principe dit de la mort digne de l'animal. Sachant que la mort digne, c'est très compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué avec tout ce qui est industriel, puisque on est resté souvent dans nos idées sur des abattages à la ferme, mais ça date de nos grands-mères. Après, ça a été très vite arrêté. Et un abattage à la ferme, c'est sûr que c'est différent. Quand c'est la bête que vous avez élevée vous, que vous allez manger vous avec vos amis, etc., ben, vous la massacrez pas. Je dis pas que dans les abattoirs ils les massacrent. Je dis juste que dans les abattoirs, la vraie problématique c'est l'industrialisation, c'est-à-dire que quand vous abattez un bovin à la minute, aujourd'hui les très gros abattoirs c'est ça. Ils en font 50-55 à l'heure, ça fait un par minute. Un par minute, c'est beaucoup trop court parce que de toute manière, on sait qu'une vache, en moyenne, met 4 à 5 minutes à mourir une fois que vous l'avez égorgée. Je sais qu'il y a beaucoup de végétariens, donc si à un moment c'est trop compliqué, vous me dites si c'est trop impossible, là, on va changer, on tournera différemment, mais je crois qu'il faut parler des choses clairement, voilà. Mais si ça vous choque, c'est compliqué, on va s'adapter. Mais la réalité c'est ça, c'est qu'on abat une bête à la minute, que du coup on n'attend pas ces 4-5 minutes nécessaires et minimum, hein, c'est vraiment minimum, parce qu'un veau, on sait que ça peut mettre en général 14 minutes, ça dépend de l'espèce, et les veaux en fait sont bizarrement plus résistants, parce que c'est une question de structure physiologique, en fait ils ne sont pas complètement faits pareil, enfin il y a des choses qui sont encore en gestation, parce que ce sont des veaux, et du coup ils mettent plus longtemps à mourir. Donc les 14 minutes, on ne les attend pas, et donc ce qui se passe, c'est qu'on les découpe vivants, après. Là, je ne sais pas si vous savez, vous connaissez le processus, en fait, une fois que la bête est rentrée, dans le principe d'abattage conventionnel, on lui met un petit coup de matador, c'est-à-dire qu'on lui injecte dans le crâne un petit morceau de métal, en fait, qui va l'assommer, elle reste consciente, mais elle est assommée. Non, elle est inconsciente, pardon, mais elle est vivante, pardon, je ne dis pas de bêtises. Et du coup, vous allez pouvoir l'égorger sans qu'elle souffre ou sans qu'elle sente trop la douleur. Il faut qu'ils se tiennent comme ça. C'est vrai que faire passer une bête de la vie à trépas, c'est une étape qui est gore. On ne va pas se le cacher, ça l'est. Après, comme je disais par exemple en Mongolie, ils n'ont pas le choix. S'ils ne mangent pas de mouton, bah, ils ne vivent pas en fait. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a rien d'autre à manger. Nous, dans un pays où on peut manger tout, la moitié du monde est végétarien et vit très bien, on peut très bien vivre en étant végétarien, c'est pas un souci du tout. Je crois que le plus important pour moi, en tout cas, c'est la liberté individuelle, chacun mettant dans son assiette ce qu'il a envie de mettre, tant que c'est possible et qu'il effectivement ne pose pas de soucis. Mais c'est pas pour ça que moi je mange encore de la viande. Quand je mange, j'ai envie que ma bête soit plutôt bien étourdie, bien abattue et qu'elle souffle le moins possible.
Maintenant, c'est assez incompatible avec l'industrialisation massive. Ça, je crois qu'il faut reconnaître, quel que soit le mode d'abattage en traditionnel ou en rituel. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'abattage rituel. La différence entre le rituel et le pas-rituel, c'est que justement, on ne va pas étourdir la bête et qu'on va l'égorger, par exemple, que ce soit halal ou kasher, sans l'étourdir. Alors, tous les religieux vous diront que quand c'est... Les juifs vous diront que quand c'est eux, ça, elles ne souffrent pas. Les musulmans vous diront que quand c'est eux, elles ne souffrent pas. La réalité, ce n'est pas ça. C'est quand c'est très bien fait, et j'en ai vu, hein, des gens dans les abattoirs qui bossaient très très bien, ça existe aussi, la bête, effectivement, va s'arrêter. Je pense notamment à un abatteur malien qui était Peul. Je précise parce que en Mali, en fait, il y a une grande partie de la population qui est Peul et qui est donc travaille avec les bêtes. Ce sont des éleveurs de père en fils depuis 15 000 générations et du coup, ils savent parler aux animaux. Et c'était très impressionnant de voir ce monsieur. En fait, là, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Les bêtes rentrent dans un espèce de tonneau qui ressemble à une machine à laver en grand format. Ensuite, on ferme la porte derrière, on va resserrer les côtés pour que la bête ne bouge pas et qu'elle ne soit pas tentée de partir. Il y a un petit trou à l'avant de la machine à laver pour qu'elle puisse passer la tête. Et ensuite, on va retourner la machine à laver, elle va se retrouver à l'envers. Du coup, on a la gorge comme ça et on peut l'égorger facilement. C'est le principe, c'est comme ça que ça marche. Il y a d'autres techniques en traditionnel aussi où on peut planter... couteau en dessous du cœur là et ça évite d'avoir besoin de l'égorger mais c'est des méthodes. De toute manière, quand on les abat, il faut qu'on puisse faire couler le sang pour qu'il n'y ait pas de contamination, parce que le sang peut contenir des bactéries qui posent un souci. Quel que soit le mode d'abattage, on vide les bêtes de leur sang, parce que souvent les gens pensent que on vide le sang des bêtes que dans le rituel, ce qui n'est pas du tout le cas. On est obligé de le faire pour des questions sanitaires pour tous les animaux. Et donc ce que je vous disais en rituel, moi je vous ai vu des gens qui bossaient très très bien. Je pense à ce malien en l'occurrence, la bête rentrait dans l'espèce de tambour de la machine à laver, il lui parlait, elle s'arrêtait, elle mettait la joue comme ça et il lui mettait un petit coup de couteau bien fait, bien net, bien propre, elle s'endormait et elle était abattue. Mais j'en ai vu, c'était des trucs absolument horribles. Et même moi qui suis assez résistante mais qui ne peux pas toucher, mais voilà. Là c'était les gens qui passaient le couteau genre comme s'ils coupaient le pain, sauf que c'est pas possible avec la bête du sang partout, ça hurlait dans tous les sens, c'était terrifiant. Et donc il y a un vrai problème parce que on n'a pas assez de services vétérinaires, c'est ce que je vous disais, est-ce que reconnaissez aussi la Commission européenne et la Cour des comptes française, on n'a pas assez de formation dans les abattoirs, même s'il y a le gouvernement face aux différents scandales de L214 et des autres associations a essayé de dire qu'ils allaient mettre des responsables de protection animale. En pratique, un responsable de protection animale dans un abattoir, c'est 2 jours de formation où ils sont en collectif et au bout de 2 jours, on leur fait un petit QCM pour savoir s'ils ont compris 2-3 trucs. Donc c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Et dans certains abattoirs où moi j'ai été, où les responsables de protection animale existaient, ils avaient aucune formation de rien du tout. Enfin, c'est effrayant. Et puis le problème aussi, je vous parlais d'industrialisation et de cadence, c'est que vous allez d'un côté avoir le responsable de protection animale qui va dire on fait plus attention, on essaye d'eux, mais vous vous souvenez de la cadence, 1 par minute, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit. Et de l'autre côté, vous avez le responsable de production qui dit t'es pas payé à rien faire, faut que tu avances sur la chaîne. Hein, parce que... Et donc c'est l'ouvrier qui est déjà dans des conditions de travail extrêmement difficiles, et ça c'est important de le dire. Hein. Les abattoirs, c'est des endroits où il fait très froid, où c'est très humide, où c'est extrêmement bruyant, parce que vous avez tous les systèmes d'accrochage qui se tapent les uns sur les autres, c'est des bruits de métal. Vous avez des énormes machines, parce que par exemple, fendre une bête en deux, c'est-à-dire que vous avez une tronçonneuse type grand comme ça, qui va vous permettre de la couper en deux. Donc ça fait du bruit. Vous avez des chariots et des batteurs qui montent, qui descendent. Vous avez... Enfin, voilà, c'est à peu près 110 de décibels, et pour vous donner une idée, un bus qui passe, c'est 90. Donc 110, c'est déjà très très puissant, vous passez vos journées là-dedans, il fait froid, c'est humide, etc., c'est glissant, c'est un endroit où les taux d'accident du travail sont 3 fois supérieurs à la moyenne nationale. Enfin, c'est des endroits extrêmement compliqués, les gens sont mal payés, ils sont en horaire décalé... voilà, c'est difficile. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui pratiquent ce métier, même si moi, honnêtement, je ne pourrais jamais le faire, mais sauf si j'ai pas l'autre choix pour manger, peut-être. Mais il y en a qui n'ont pas le choix et qui font ça parce qu'ils ont besoin de nourrir leurs enfants et qu'il n'y a pas d'autre boulot dans le coin. Après, voilà, ça c'est le côté salarié, c'est important de le dire. Les gens,
Les bêtes souffrent, les hommes souffrent et souffrent beaucoup. Suivant les abattoirs, c'est beaucoup de troubles musculo-squelettiques aussi. Donc vous allez avoir beaucoup de problèmes de canal carpien, beaucoup de problèmes d'épaule, etc. Et vous allez dans les abattoirs, pour ne pas les nommer, parce que moi je suis journaliste, donc il faut le faire. Chez Doux, par exemple, vous aviez des jeunes femmes qui avaient 23-24 ans, elles ne pouvaient déjà plus lever les bras. Et c'était fini pour toute leur vie, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne pourraient plus jamais porter leurs enfants dans leurs bras parce qu'elles ont passé leur vie à faire des mouvements qui ont usé toutes leurs articulations et qui ne leur permettront plus derrière d'avoir une vie normale. Enfin, donc il y a beaucoup d'abatteurs aussi, et là c'est important de le dire, qui ont un mode de fonctionnement un peu particulier. Le monde de la viande, parce qu'on aurait peut-être dû commencer par là, c'est que la France est le premier producteur de bovins, premier producteur de volailles et troisième producteur de porc. Voilà, juste pour vous donner. Donc on est un des gros producteurs européens de viande. Ceci dit, en passant, à chaque fois qu'on entend la FNSEA nous expliquer, par exemple, ou d'autres syndicats agricoles nous expliquer que c'est l'Europe qui décide tout sur ce qui se passe en agriculture en France, bon, c'est de la foutaise, hein, soyons clairs. La France touche 80% des aides de la PAC. Voilà, donc c'est beaucoup, alors qu'il y a 28 pays. Et tout ce qui se passe au niveau agricole en Europe, c'est quand même beaucoup la France qui décide. Au niveau du ministère de l'Agriculture français, on a aussi un petit souci, c'est-à-dire qu'on n'est pas en situation de monopole, mais on est quasiment en situation de monopole. C'est-à-dire que le leader du marché aujourd'hui, c'est Bigard. Bigard, Socopa, Soviba, Charal, tout ça, c'est la même personne. Et tout ça, c'est pour de la viande bovine. Il a aussi, M. Bigard, des abattoirs de porc. À un moment donné, il a dit « je vais racheter tous les abattoirs de porc ». L'autorité de concurrence est intervenue en disant « c'est pas possible, vous pouvez pas avoir tout le secteur de la viande ». Il a dit « ok, je mets mon bras droit ». Et donc, il a... Enfin, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, ou il y a deux ans, au moment où il y a eu des grosses crispations des producteurs de porc qui disaient « nous, on en a marre parce qu'on n'arrive pas à manger ». Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Les éleveurs sont dans une situation catastrophique en France. On se retrouve avec 1 à 2 suicides d'éleveurs par jour. Je ne sais pas ce qu'il faut penser d'une société dans laquelle les gens qui sont chargés de nourrir la population se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Enfin, c'est des situations impossibles dans lesquelles ils se retrouvent. Les gens, ils travaillent 24 sur 24. C'est-à-dire, quand vous avez des bêtes, c'est comme quand vous avez des enfants. Enfin, je veux dire, s'ils sont malades, ben, vous allez vous lever à 3 heures du matin, même si vous êtes couché à 2 heures, et même si vous allez vous lever à 5 heures. C'est-à-dire, vous ne dormez pas. Enfin, il y a un moment donné où il y a besoin, si vous travaillez autant, de vous assurer que derrière, vous puissiez aussi vous nourrir et nourrir vos enfants. C'est-à-dire que la plupart des éleveurs, aujourd'hui, ils ont de la chance ils sont mariés à une infirmière ou une prof ou une instite, parce que c'est elle qui va faire vivre la famille, qui va permettre d'avoir un petit revenu pour nourrir les enfants. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un autre souci aussi. On a un problème avec les éleveurs, on a un problème avec les abatteurs, en tout cas les gens qui travaillent dans les abatteurs. On a un problème avec le fait qu'il y a une situation de monopole sur les abattoirs. On a un problème aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, un problème ou une solution, c'est-à-dire que les éleveurs et un certain nombre de gens de la filière viande aujourd'hui sont penchés sur la question et se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent bien dans ce métier aussi. Il y en a qui travaillent, qui font plus de l'élevage, mais de la production agricole, on n'est plus dans les mêmes quantités, donc du coup, vous n'êtes plus dans le même affect non plus avec vos animaux, vous n'avez plus le même suivi, vous n'avez plus le même... Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit comment on fait pour arriver à améliorer le système. Donc ils ont lancé des opérations de test d'abattoirs mobiles, sauf que ce n'était pas autorisé en France jusqu'à présent. Au niveau européen, c'est autorisé, mais il faut un décret français. Là, la nouvelle loi, si on peut dire, sur l'alimentation, qui a un peu accouché d'une souris, hein, vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens, mais derrière, on n'a pas eu grand-chose. Mais cette loi a autorisé, dès qu'un décret sera paru, à ce qu'on puisse tester des abattages à la ferme. C'est ce qui se pratique dans certains pays européens aussi, en Allemagne, en Suisse, en Hongrie, etc. Où, du coup, c'est des camions d'abattage qui viennent à la ferme. Les bêtes sont abattues sur place dans leur contexte environnemental, donc elles sont moins stressées. Et ensuite, une fois qu'elles sont tuées, après, soit ils vont faire toutes les étapes de découpe dans l'abattoir lui-même, soit ils les font dans des ateliers de découpe, mais tout ça demande une organisation différente, en fait. Des regroupements différents, des collectifs d'éleveurs, des collectifs de citoyens, et qui puissent permettre à toute la chaîne de vivre. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est que vous ne pouvez pas avoir qu'un côté de la chaîne qui vit, parce que sinon ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'on n'a plus d'éleveurs, on n'a plus de...
le nombre d'éleveurs qui partent à la retraite ou qui, je vous ai dit, qui se suicident, mais qui s'en vont et qui renoncent à un moment donné, ils n'y arrivent plus. Si vous discutez avec l'OABA, par exemple, l'offre d'assistance aux bêtes des abattoirs, ils vont vous dire qu'ils récupèrent, je crois, au moins un à deux troupeaux par semaine. Et quand c'est des troupeaux, des fois, c'est 150 vaches dans des conditions lamentables. Et quand vous êtes éleveur, j'arrive pas à concevoir, moi, que l'éleveur, au départ, qui était là pour ses bêtes, etc., puisse les abandonner, sauf s'il fait une grosse dépression et qu'il n'y arrive plus, et qu'à un moment donné, soit il jette du pont, soit il abandonne ses bêtes. Enfin, et il abandonne ses bêtes, et on a des situations catastrophiques. Alors, elles sont récupérées, heureusement, grâce à des associations. Il y en a plusieurs qui ont des fermes shelter qui récupèrent les animaux et qui permettent que les bêtes s'en sortent, parce que c'est pas l'objectif de personne. Mais c'est un peu compliqué quand même. Hein. Voilà. Pour revenir sur la question des abattoirs au tout départ, moi, quand on m'a donné le sujet, envoyé spécial, on m'a dit, voilà, regarde ce qu'il y a. J'ai commencé à appeler tout le monde, d'abord, pour voir un peu ce qu'il en était. Et j'ai demandé si je pouvais rentrer dans les abattoirs. Bon, c'était unanime, hein, ça n'est pas possible de rentrer dans un abattoir quand vous êtes journaliste. Donc, je suis quand même journaliste, donc à un moment donné, je me suis dit, comment je vais faire Et donc j'ai été voir les différentes associations qui pouvaient rentrer dans les abattoirs. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait notamment l'OABA, l'offre d'assistance aux bêtes des abattoirs, qui travaille depuis 1960 sur ces questions-là. Et du coup, je leur ai demandé si je pourrais aller avec eux visiter les abattoirs, puisque ils sont habilités à faire des inspections protection animale dans tous les abattoirs, si tant est que le directeur de l'abattoir veut bien le laisser rentrer. Donc ils m'ont présenté moi comme leur assistante, j'avais des caméras cachées partout, tout ça, donc j'ai filmé. J'ai tenu bon, et c'était pas évident, parce que, comme je vous disais, j'ai un problème avec le sang, que quand vous avez des caméras partout, je vous dis que c'est pas le moment de tomber dans les pommes, de patauger dans le sang, je passe les détails. mais on s'en est sortis. Et en fait, ce que j'ai pu voir, moi, c'est beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je vous ai parlé des cadences. Mais après, dans certains abattoirs, on faisait rentrer des animaux morts sur la chaîne, ce qui est totalement interdit du point de vue réglementaire. Dans d'autres abattoirs, il n'y avait pas d'inspection antémortem, c'est-à-dire avant la mort, ça c'est normalement réglementaire. C'est-à-dire qu'on doit vérifier avant qu'elle rentre, au moment où elle rentre dans l'abattoir, enfin dans les étables avant de passer la chaîne, que la bête est en bonne santé. Parce qu'on a le droit d'abattre que des bêtes en bonne santé. Si une bête s'est cassée la patte, par exemple, on peut l'abattre, mais à ce moment-là, c'est sur dérogation, c'est particulier. On ne peut pas faire ça sur la chaîne comme ça. Si une bête est malade ou qu'elle a une maladie qui n'est pas contagieuse, par exemple, on va l'abattre à ce moment-là, à la fin de la chaîne, pour être sûr qu'elle ne contamine pas toutes les autres bêtes qui vont passer sur la chaîne derrière. Il y a des protocoles sanitaires plutôt logiques au départ, sauf que, encore une fois, cadence, manque de personnel, et on ne respecte pas ces normes qui ne sont pas si mal faites au départ. Voilà, donc je suis rentrée avec l'OABA, je vous disais, donc j'ai vu des animaux qui n'étaient pas bien soignés. Dans les abattoirs, vous vous rendiez compte que dans les étables, il y avait souvent, alors ça dépendait des abattoirs encore, il y en a qui sont bien gérés, d'autres moins bien, il n'y avait pas d'eau pour les bêtes, il n'y avait pas de paille, suivant l'animal, que des fois, il y a des aménagements qui sont assez faciles à faire, juste pour que la bête ne soit pas stressée. C'est-à-dire qu'une bête, quand elle va arriver dans le couloir d'amener, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est elle arrive, les bêtes, en fait, elles sont déchargées du camion. On va les mettre dans des étables. Suivant l'espèce, elles vont passer quelques heures dans l'étable et ensuite elles partent sur la chaîne. Et quelquefois, elles sont déchargées le matin même et elles enchaînent direct, en fait. Les gros abattoirs, ça va très très vite. Il y a vraiment des vrais roulements de camions, etc. Une fois que la bête rentre, par exemple, le couloir d'amener, c'est un couloir qui va lui permettre d'aller ensuite dans la chaîne d'abattage. Et quelquefois, vous avez des endroits qui sont mal aménagés. C'est juste que vous avez un point sombre au milieu et que du coup, la bête, comme elle ne voit pas ce qui se passe, elle va refaire marche arrière. Donc du coup, si on ne fait pas juste une petite lumière, les gars, comme ils vont s'énerver derrière, ils vont commencer à les taper avec des petits sticks électriques ou autres, ce qui n'est pas forcément très autorisé. Et en fait, tout ça produit du stress. Une bête stressée derrière, c'est une viande qui ne se conserve pas. Ça aussi, c'est important. Donc tout le monde a intérêt, c'est-à-dire que les carnivores ou pas les carnivores, les éleveurs ou pas les éleveurs, tout le monde a intérêt à ce que les processus se passent le mieux possible dans ces conditions-là. Pour que la bête puisse être moins stressée au moment où elle va arriver. Après, vous avez, une fois que la bête est là, l'idée c'est qu'elle ne voit pas, normalement, du point de vue réglementaire, elle ne doit pas voir sa copine d'avant se faire égorger. C'est pas possible ça, parce que c'est une source de stress supplémentaire.
Et alors, des fois, justement, avec l'OABA, ce qui était intéressant, c'est qu'ils allaient leur dire, bah, par exemple, là, voyez, vous rachetez une lumière, là, vous faites attention, parce que le sol, il est glissant, là, vous rajoutez un rideau pour éviter que l'autre voit. Ça diminue le stress, ça diminue les difficultés pour tout le monde. Vous avez donc, là, je vous ai plutôt parlé des gros animaux, mais vous avez aussi tout ce qui est ovins, cochons. Les amateurs de cochons, ça pue. Beaucoup plus que les bovins et le reste. Les bovins étant des ruminants, c'est de l'herbe. Donc au mieux, c'est de l'herbe fermentée. Ça sent pas très bon parce que vous avez l'odeur du sang, mais c'est pas grave. Le cochon, c'est des mammifères, comme nous. Donc ça sent pas bon du tout. Ça, je peux vous dire, c'est comme ça mange tout ça. C'est pas terrible. Après, je sais pas, moi je peux parler encore effectivement très très longtemps. Peut-être que, je sais pas du tout où on en est en termes de temps. Non ? Là ? Encore un peu ? Oui. De quel aspect je pourrais vous parler ? Parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire toute la filière, donc je suis allée voir les éleveurs, les abatteurs, les transformateurs aussi, les ateliers de découpe. Ensuite, vous avez les boucheries ou la grande distrib. Enfin voilà, l'idée c'était de faire toute la chaîne entre le moment où la bête arrive à l'abattoir et le moment où vous allez la retrouver dans votre assiette ou pas. Sachant, encore une fois, que chacun fait ce qu'il veut. Je crois que de toute manière, il y a des mouvements qui commencent à se créer chez les éleveurs pour justement avoir une viande, comme je vous disais, mieux élevée, mieux tracée, mieux. Et ça, ça va plutôt dans le bon sens. Après, il y a de plus en plus de végétariens aussi qui réfléchissent à leur situation sans viande. Et je trouve ça très bien aussi. Comme je vous disais, la moitié du monde vit en étant végétarien. Je pense qu'on peut très bien en vivre. Vous verrez avec Perrine tout à l'heure les petits conseils pour ne pas pas singer les carnivores en mangeant juste des légumes, parce qu'effectivement, ça peut poser des soucis. Attention aussi au soja, je voulais le dire parce que c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui du coup mangent du lait de soja le matin, du steak de soja à midi, du yaourt au soja à 4h, et là c'est too much. Attention au soja, trop de soja, le soja contient beaucoup d'œstrogènes. Encore une fois, il y a la façon dont le soja est préparé, hein. Soja fermenté, pas fermenté, c'est différent, mais soja classique, pas fermenté, si vous en mangez trop, vous avez des perturbations d'œstrogènes, et donc c'est très problématique, notamment chez les jeunes filles et chez les femmes. Les hommes, c'est moins grave, au pire, ils auront les seins qui poussent, s'ils arrêtent, ça va disparaître. Les jeunes filles en pleine croissance, c'est très problématique. Vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de fertilité d'ailleurs très très lourds, donc il faut faire attention. Mais encore une fois, la moitié du monde vit en étant végétarien, donc c'est juste une adaptation de son assiette. Mais ça, Perrine, elle vous dira tout, parce qu'elle est super. Voilà. Il y a des choses qui sont aussi importantes, je crois, sur tout ce qui est conscience de l'animal et du sacrifice de l'animal. Parce que aujourd'hui, alors chez les gens qui mangent de la viande, les gens vont faire leurs courses, c'est aussi une mode de consommation à revoir, je pense, parce qu'ils vont faire leurs courses et ils vont avoir du jambon, du machin, des trucs. Et au bout d'un moment, la vieille tranche de jambon au fond du frigo, ben, vous allez elle est toute un peu périmée là, et puis vous allez la mettre à la poubelle. Sauf que la tranche de jambon que vous mettez à la poubelle, c'est un animal au départ qui a été élevé, abattu dans des conditions de 1-1, et qui a donné sa vie, entre guillemets, sans qu'on lui demande trop son avis, hein, on est d'accord, mais qui a donné sa vie pour ça. Donc je pense que si les gens revenaient à la source, prenaient conscience de la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que c'est aussi, là on tombe, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la société se réveille en disant, on découvre que c'est moche ce qui se passe dans les abattoirs, ouais. Mais parce que l'industrie, pendant longtemps, nous mettait des petites étiquettes magnifiques, les poules, elles sont dans l'herbe, comme ça, les petits cochons, ils sont... Sauf que c'est pas la réalité. Et le fait qu'on soit tant éloigné de la réalité, tout d'un coup, le choc, il est extrêmement brutal pour toute une génération de gens qui tout d'un coup, se disent « mais c'est pas possible ». Sauf qu'autrefois, on a toujours abattu le cochon à la ferme, les moutons à la ferme, et qu'après, on voit, on voit pas, on aime pas, mais du coup, on a plus conscience de ce que c'est. Et je crois que du coup, il y a moins de gaspillage, il y a moins de... Il y avait un côté festif, il y avait un côté plus... La bête s'est sacrifiée, ben on va permettre de nourrir tout le village, et comme ça, ça sera une permanente chose. Voilà. On est très loin de ça. À l'après-guerre, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'après-guerre, les gens avaient quand même souffert beaucoup de la faim. Les troupeaux avaient été pas mal décimés. Les gens avaient été décimés, mais les troupeaux aussi. Et du coup, le gouvernement français s'est dit... Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut nourrir les gens. Donc ils sont allés voir aux États-Unis ce qui se passait, ils se sont dit on va essayer de lancer des élevages massifs. C'est ce qui s'est fait notamment en Bretagne, où on se retrouve aujourd'hui avec 60% des élevages de cochons sur 6% du territoire et 45% des élevages de volailles toujours sur 6% du territoire. C'est énorme. C'est pas pour rien, d'ailleurs ils ont des pollutions. Ça a des conséquences. C'est-à-dire que ce côté massif,
était énorme. Bon, en fait, ils ont ce côté massif, on produit, ça marche. Et du coup, ils se disent, bah, il faut écouler. Donc, le gouvernement paye des campagnes de pub, lance des campagnes de pub, qui ça s'appelait « Suivez le bœuf », enfin, il y en avait à la télé, etc. On expliquait aux gens que manger de la viande, c'était bon, ça faisait des enfants forts, musclés, costauds, intelligents, enfin, on mettait tout le paquet pour être sûr que les gens en mangent, qu'il fallait écouler le stock, parce que c'est bien d'en produire, mais si les gens ne le vendent pas, ben, on a tout ça pour rien. À l'époque, avant la guerre, on était plutôt à une fois par semaine de la viande, sauf dans les familles un peu plus riches, etc. Donc, on a fait un grand écart et on est passé un peu en situation extrême où si on mangeait pas de la viande à chaque repas, ben en gros, on nourrissait mal ses enfants. On est encore très très loin de la réalité. Et donc, comme vous disiez à un moment, il y a encore pas si longtemps, ça évolue et ça, c'est une bonne chose. Aux gens, quand vous allez dans un resto, que vous étiez végétarien, c'est limite si le resto vous mettez pas un coup de pied pour vous dire va donc voir ailleurs si j'y suis, parce que t'as rien à faire chez moi. On progresse, il était temps. Mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et que vous dire de plus ? C'est vrai que ça sera peut-être plus facile de répondre à vos questions, parce que moi, je connais tellement bien le sujet après que je serais ravie de vous répondre. Perrine, tu peux intervenir peut-être avant les questions, ou tu préfères répondre directement aux questions ? Peut-être que tu peux répondre aux questions qui concernent plus spécifiquement ta partie, et puis comme ça, après, je ferai ma présentation. Ok, on va faire ça avec vous. Okay. Est-ce que vous avez des questions ? Le plus dur, souvent, c'est pour le premier, monsieur. Bonjour, je suis un petit peu surpris que vous mangiez toujours de la viande après ce que vous avez vu pendant 3 ans. C'est vrai. La deuxième remarque, c'est que je pense que à certains moments, j'ai l'impression que vous faites des abus de langage. Quand vous dites que l'animal se sacrifie, c'est pas l'animal qui se sacrifie, c'est nous qui le sacrifions. On est d'accord, oui. Il y a une très grosse différence. Oui, oui. Et la troisième remarque, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas... vous ne regardez pas ce qui est écologique de manière globale. L'élevage est condamné, on le sait, à terme. Et vous dites qu'il faut continuer à manger de la viande quelque part. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais... Vous dites qu'il faut continuer à manger de la viande locale. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas. Oui, alors, vous avez d'autres questions ? Non. Alors, pour répondre, on va commencer par là, en sens inverse. Non, je ne dis pas qu'il faut commencer à manger de la viande, je dis que chacun fait ce qu'il veut. C'est ça, je crois que c'est important. Moi, personnellement, j'en mange encore. Mais après, encore une fois, c'est une question de liberté individuelle. Moi, j'ai été dans les abattoirs pendant 3 ans, mais j'ai beaucoup voyagé. Et je me souviens très bien, dans tous les pays où j'ai été, du premier cochon que j'ai vu, qui a été abattu. À l'époque, j'habitais aux Antilles, et j'étais très petite, je dois avoir 6 ou 7 ans, donc je vous dis, c'est un souvenir bien marqué. Et aux Antilles, quand on tue le cochon, et il n'y a pas qu'aux Antilles d'ailleurs, on le fait crier pendant très longtemps. Et j'ai encore ce cri dans la tête qui est absolument horrible. Mais ça, c'est une chose que j'ai entendu, constater, etc. Mais j'ai aussi constaté qu'il y avait tout le village qui venait faire la cuisine, que tout le monde partageait leur repas en même temps. Voilà, c'est d'autres choses. Après, c'est, encore une fois, ça, c'est mon point de vue. Oui, j'ai continué à manger de la viande, mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. Je fais beaucoup plus attention à l'endroit où elle a été élevée et, quand je peux, l'endroit où elle a été abattue. Après, voilà, c'est-à-dire c'est ma consommation à moi. Je ne m'en cache pas, j'en mange encore. Mais j'ai passé des mois à manger des végétaux aussi dans d'autres pays, etc. J'ai pas de problématique là-dessus, moi, personnellement. La question précédente sur est-ce qu'il faut manger local, je crois que voilà, on y a répondu, chacun fait ce qu'il veut. Et la première, c'était, pardon... Abus de langage. Ah oui, les abus de langage. Oui, non, mais là, vous avez raison de le souligner, c'est effectivement un abus de langage, c'est pas la bête qui se sacrifie, c'est l'homme qui sacrifie la bête, on est d'accord, mais c'est quand même un sacrifice qui est fait dans le sens du sacrifice, au sens plus religieux, il y a quand même quelque chose qui est une sorte de... Alors, je suis pas une spécialiste, ni philosophe, ni de l'éthique, etc., et là, effectivement, c'est des questions très pointues, mais la bête, effectivement, est sacrifiée. Après, je crois que je vais laisser la parole à d'autres gens pour reparler plus de ces points-là, mais vous avez raison de le souligner. Oui, bonjour. Juste peut-être votre avis par rapport à votre reportage sur l'introduction de la vidéo, du moins le fait qu'on puisse filmer dans les abattoirs, qu'est-ce que vous en pensez éventuellement? Et je me faisais aussi une autre réflexion, c'est par rapport au moment où vous avez dit que vous pensez qu'on a commencé à mettre en avant, à travers des pubs,
c'était le sujet le bœuf, quelque chose comme ça. Oui. Le fait que c'était les gens qui, du coup, étaient incités à manger de la viande, est-ce que, enfin, juste la réflexion par rapport au fait que c'est une responsabilité aussi de, enfin, ils peuvent aussi réfléchir, ok, il y a l'emballage, ok, ils sont peut-être incités à le faire, mais je pense que ça appartient quand même à chacun de se poser quand même la question, même s'il voit l'emballage, de se dire que, qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce qui... Oui, mais il faut remettre le contexte, les gens avaient crevé la dalle, hein. La guerre, c'est la guerre, hein. Enfin, c'est pas une partie plaisir, donc les gens étaient très dénutris. En pas forcément en très bonne santé parce que vous avez perdu en plus la moitié de votre famille, que vous êtes blessé, que vous avez des conditions difficiles. Et du coup, effectivement, les gens ont besoin de manger, ça c'est sûr. Il fallait qu'ils mangent, que ce soit des patates, du bœuf ou je sais pas quoi. Ils avaient besoin de manger et de manger des choses nourrissantes et de manger de façon régulière. Donc effectivement, que le gouvernement à cette époque-là se soucie, d'ailleurs c'est Pisani qui avait installé ça, qui depuis est revenu beaucoup en arrière, hein. Je sais pas si vous avez suivi. Au départ, ils pensaient vraiment bien faire, c'était mettre en place un moyen de garantir une subsistance et des moyens de subsistance pour toute la population. Donc, après, ils sont revenus un peu, enfin en tout cas lui, très tard, là, maintenant qu'il a écrit ses mémoires, pour dire qu'il n'était pas si sûr d'avoir, en créant ces énormes structures, enfin, fait la meilleure chose de sa vie. Mais de pouvoir nourrir la population, tout le monde était content au départ, hein. Ça c'est une certitude. Et sur la vidéo dans les abattoirs, moi personnellement, j'ai pas de souci avec la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui sont prononcées sur le fait qu'ils recommandaient les vidéos dans les abattoirs. Je pense que ce serait une très bonne chose, moi personnellement, notamment du point de vue de la formation. Mais c'est une bonne chose s'il y a des gens qui peuvent regarder les films. Alors le gouvernement, parce que les abatteurs sont montés au créneau en disant qu'ils ne voulaient pas, soyons clairs, on ne va pas se raconter l'histoire, a dit oui mais liberté individuelle du travailleur, d'accord, la liberté individuelle du travailleur, mais hein, vous allez à la banque, vous êtes filmé, on ne vous demande pas votre avis, vous allez au supermarché, à la caisse de Carrefour ou au Auchan ou je ne sais pas qui, vous êtes filmé, donc liberté individuelle, d'accord, après à eux de s'organiser pour être sûr que les images ne sortent pas, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est que les ouvriers, dans les images qui ont été montrées, ont beaucoup de mal derrière à faire face aux questions de leur famille, aux questions de leurs enfants, qui disent « Mais enfin, papa, t'as dit que tu travaillais à l'abattoir, tu faisais de la bonne viande. Moi, quand je te vois et que tu balances le mouton sur le mur, je comprends pas. » Alors après, j'allais dire, tout s'explique et tout s'explique pas. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez suivi, il y a eu des procès sur l'abattoir de Mauléon, il y a eu des procès sur le Vigan, etc. Certains ouvriers sont venus à la chaîne expliquer que l'image en question avait été filmée la veille de Pâques, que d'habitude, je vous donne les chiffres qui ne sont pas pointus parce que je ne les ai pas appris par cœur, mais qu'en général, ils abattaient 700 bêtes la semaine et que là, ils se retrouvaient en abattre 870 en une journée et que d'habitude, ils étaient deux et là, il était tout seul et qu'à un moment donné, il a pété les plombs et que... Parce que justement, comme je vous disais, l'aménagement n'est pas bien fait. Du coup, ben les bêtes, elles ne veulent pas avancer. Et du coup, il est stressé. Et du coup, au lieu de se dire, hein, eh ben, on va, c'est totalement inexcusable. On est bien d'accord. Hein, c'est totalement inacceptable. Mais voilà, ceci explique cela. Je ne dis pas que c'est mieux. Mais quand vous retrouvez dans une... Je fais des parallèles qui ne sont pas très jolis, mais qui sont nécessaires, je pense. Quand vous faites un sujet sur les hôpitaux, ce que j'ai fait aussi, vous essayez de comprendre pourquoi le petit Kevin qui avait 3 ans est mort parce que l'infirmière a injecté le mauvais produit. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'infirmière qui a injecté le mauvais produit? Sachant que l'infirmière, normalement, elle devrait être 3 parce qu'ils ont 30 lits et qu'en fait, elle est toute seule et qu'elle a toujours 30 lits, qu'elle est arrivée la veille parce qu'en plus, la nana qui était là avant, elle a pété un plomb, donc elle est arrivée, elle fait au mieux et qu'au lieu de presser la minute 30 à lire le produit, eh ben, elle ne l'a pas passé parce qu'il y a les autres et que du coup, elle a injecté le mauvais produit. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'infirmière? Est-ce que c'est le système qui met cette infirmière dans une situation totalement aberrante? Est-ce que c'est la direction de l'hôpital? Est-ce que c'est le gouvernement? Parce que, enfin, je crois qu'il y a un moment donné, il faut remonter les responsabilités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier la responsabilité de l'infirmière, mais il ne faut pas lui mettre tout sur le dos à un moment donné, parce que ce ne serait pas juste, je crois, si on oublie que bah, le patron, il a dit, bah, tant pis, ça a marché la semaine dernière, tu étais toute seule, continue. Bah ouais, bah, sauf qu'un jour, bah, ça ne marche pas, parce qu'on est humain et qu'il faut un certain temps pour chaque tâche et qu'on ne peut pas le faire autrement. Enfin, j'étais partie sur autre chose. Mais moi, la vidéosurveillance, dans l'idée, je trouve ça très bien. J'ai posé des questions à certains abatteurs et à certaines associations aussi pour savoir où vous en étiez. Alors, l'OABA, notamment, vous dit, moi, j'ai en discuté avec les différents abatteurs. Certains disent, ah, mais moi, je suis contre, je suis absolument contre. C'est pas possible, tout le monde va venir voir ce qui se passe, etc. Alors, on peut imaginer qu'il y a un moyen de sécuriser les images. Alors, ça va pas forcément plaire aux associations
qui ont sorti des images, mais on en sortira différemment, pour que les salariés ne se retrouvent pas avec leur visage comme ça pour rien. Bon, pourquoi pas, c'est toujours envisageable. Si on arrive à le faire dans une banque, on pourrait le faire dans un abattoir, même si ce n'est pas le même budget. Hein. Quand même, bon. Mais donc les abatteurs vous disent non, non, c'est impossible. Et en même temps, quand vous regardez l'abattoir, vous dites mais là, il y a des caméras partout sur le quai de déchargement. Ah bah oui, parce que sur le quai de déchargement, je veux savoir ce qui se passe. Eh bien alors, si tu veux filmer les gars qui arrivent avec leur camion, pourquoi tu ne veux pas filmer les autres qui travaillent à l'intérieur ? Donc c'est, je crois qu'on leur a présenté ce... ils sont arrivés avec cette histoire de protection personnelle, etc. Parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire, en fait, c'est clair. Mais moi, je crois que ce serait une très bonne chose. Si, mais je crois que la meilleure chose, ce serait vraiment qu'il y ait plus de vétérinaires dans les abattoirs. Je pense que là, c'est une priorité absolue pour moi. On est vraiment en grand, grand sous-effectif. Si on compte le nombre de vétérinaires par bête suivie, en France, on est derrière l'Iran, le Costa Rica et la Tunisie, juste pour vous donner une idée. Sachant que la France est le 5e exportateur de produits à l'international. Donc, voilà, on se retrouve en 97e position en termes de garantie sanitaire de nos produits. Il y a un souci. Et d'ailleurs, à un moment donné, je crois que c'est 2009, l'Europe tape du poing sur la table en disant qu'il n'y a pas assez de vétérinaires dans les abattoirs de volailles, parce qu'on a parlé beaucoup de bovins et de grosses bêtes, mais il n'y a pas assez de vétérinaires dans les abattoirs de volailles. Si vous ne mettez pas plus de vétérinaires, on interdit à la France d'exporter sa volaille. Sauf que la France, comme je vous le disais, est premier producteur européen. Donc c'est un vrai manque à gagner. Et puis c'est toute la filière, encore une fois, hein, donc, même si là encore il y a beaucoup de choses à dire. Et la Corée, je crois, a dit par exemple qu'il ne voulait plus, la Corée du Sud, qu'il ne voulait plus acheter de viande parce qu'il n'y avait pas assez de vétérinaires, je crois que c'était 2014. Donc oui, ça a une implication. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut mettre les différentes personnes au bon endroit. Encore une fois, le règlement européen a tout prévu normalement pour que justement le travail des vétérinaires soit financé par un petit taxe qui soit prélevé sur chaque kilo de viande. Une redevance sanitaire. Sauf que les gros abatteurs ont négocié des ristournes sur les redevances sanitaires. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied à ne pas pouvoir payer nos vétérinaires pour faire leur travail. Donc c'est un peu. Voilà. Un problème. Merci. Bonjour. L'accroche qui est indiquée sur votre livre, c'est quand l'industrie de la viande nous mène en barquette. Donc ça sous-entend qu'il y a la notion de mensonge, de manipulation pour pousser le consommateur à acheter de la viande. Et donc qu'est-ce que l'industrie de la viande cherche le plus à cacher aux consommateurs ? Est-ce que vous les avez interrogés à ce sujet ? Vous parliez tout à l'heure de Bigard. Comment est-ce qu'ils réagissent à ces questions ? Alors je vais vous raconter un peu qui va vous faire rigoler. J'ai demandé des autorisations pour les abattoirs, qui m'ont toutes été refusées. J'ai aussi essayé de rencontrer InterBev, l'interprofession bovine à un moment donné. Qui sont très, je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont très grandes phrases, etc. Mais en fait, à partir du moment où ils ont su que je travaillais pour Envoyé Spécial, ils ont refusé un peu toute communication, je voulais interviewer le patron, etc. Et puis, l'année d'après, je crois que je les rappelle, et je leur dis, ah, cette fois-ci, je travaille pour Déraciner des Ailes, puisque moi, je suis pigiste, voilà. Bon, et je vais faire un sujet sur les races bovines, je ne sais pas quoi, j'ai inventé, je ne sais pas quoi. Donc ils me rendent dans le fichier Déraciner des Ailes. Tout d'un coup, je suis une journaliste qui fait plus peur. Et je me retrouve invitée à un petit déjeuner et à un déjeuner par InterBev à Paris, là, dans leurs hôtels particuliers, je ne sais pas quoi, c'est très bien. Et donc j'y vais. Je discute avec mes petits copains journalistes à droite et à gauche. Et je leur dis, ben alors, vous êtes invitée, c'est bizarre, parce que je suis curieuse d'avoir été invitée, etc. Et elles me disent, mais moi j'écris un livre sur les morceaux préférés des Français, par exemple. Je ne sais plus ce que c'était, il y avait des choses comme ça, donc des trucs plus légers. Et je dis, ah d'accord, et tu as fait comment ton enquête ? Ah oh, bah j'ai pris des livres et puis j'ai écrit le papier. Ah d'accord, bon bah c'est une autre façon. Donc ça ne fait pas peur non plus. Donc eux, ils étaient invités. Bon, enfin voilà, donc du coup, le déjeuner arrive, il y a du bœuf. Et comme je voulais les embêter un peu, je leur dis, votre bœuf, il vient d'où ? Alors là, ils sont super embêtés, parce qu'a priori, ils n'étaient même pas français. Enfin bon, ce qui est quand même un peu la honte, mais bon, voilà. Et puis, à la fin, je leur dis, bah, comment ça se fait que tout d'un coup, vous avez changé de politique ? Pourquoi je suis invitée maintenant ? Etc. Elle me dit, ah non, pas du tout, on n'a pas changé de politique, c'est notre politique d'ouverture, tout ça. Enfin, en tout cas, le directeur de la commune est venu me prendre en photo, il a été montré ma photo à tout le monde pour être sûr qu'il ne me parle plus après. Enfin voilà, c'est une autre façon de faire. Et donc, pardon, quelles sont les choses qui souhaitent le plus cacher ? Est-ce que c'est la chaîne de l'abattoir ? Est-ce que c'est les conditions d'élevage ? Avec quelles questions ils sont le plus mal à l'aise ?
Alors, il faudrait leur demander à eux, c'est plus, ça serait plus pertinent. Ils sont globalement mal à l'aise avec le fait que les gens se rendent compte de la façon dont ça se passe, parce qu'ils trouvaient ça très confortable de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur coin, ce qu'ils voulaient dans leur coin, et que les gens ne soient pas informés. Puis là, il y a effectivement les associations, et c'est une très bonne chose, qui sont rentrées, qui ont commencé à publier des choses et montrer, et comme je vous dis, le choc est brutal. Après, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir aussi, je crois. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, quand on mange de la viande, la bête, elle doit être tuée avant. Ça fait partie du principe, sinon on ne mange pas de viande. C'est comme ça. Donc, oui, si vous voulez manger un œuf, ben, il faut qu'il y ait une poule qui l'ait pondue. Alors, vous pouvez vous dire, hein, mais est-ce que cette poule, c'est comme autrefois, mamie qui balance ses grains, etc. Et les poules sont à la ferme. Je me souviens un jour, là, j'étais sur un marché, j'adore les marchés, tout ça, donc j'y vais. Et je vois une mamie, justement, et je lui dis, ben, mamie, tes œufs, ils sont bio? Et elle me dit, ben non, ils ne sont pas bio, hein. Je dis, ah bon, ben alors, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit, mais moi j'en ai 60 hein, des cocottes, hein, je les nourris comme ça. Mais c'était, j'allais dire, il fallait presque la filmer, l'enregistrer, lui demander de plus bouger, tellement hein, ça n'existe plus, ce genre de personnage. Mais évidemment, je vais acheter ses œufs à cette mamie qui nourrit ses poules. Voilà. Et donc, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Sauf que, par ailleurs, il y a des organisations de la viande qui ont réfléchi sur ces questions-là en disant, bah, là, il y a une chute de la consommation et qui s'inscrit dans la durée, notamment chez les jeunes générations, mais pas que. Et du coup, ils sont obligés de faire attention, ils sont obligés de réfléchir en disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ce que les gens continuent à manger? Parce que eux, leur seul intérêt, c'est que les gens mangent de la viande. On est bien d'accord. Hein. Alors, à la limite, que les éleveurs en vivent, je ne suis même pas sûre que ça soit leur intérêt numéro un, puisque, je dis ça pour la simple et bonne raison, puisqu'ils ne payent pas suffisamment les éleveurs pour qu'ils élèvent leurs bêtes dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas les budgets, et ben, au final, je vais poser une question simple. Par exemple, d'où, puisqu'on parlait d'où tout à l'heure. À votre avis, à combien sort un poulet doux, sachant qu'on l'a élevé pendant 32 jours, le poulet bas de gamme, 32 jours, qu'il a fallu le chauffer, l'héberger, le médicamenter, puisque de toute manière, ils sont toujours un, le soigner, le nourrir. Ensuite, il a fallu l'abattre, le transporter, le marketing, enfin, tout ça. À votre avis, ça sort à combien? Mais je crois qu'on est à 12 ou 13 centimes. Alors vous dites, qu'est-ce qu'on a donné à manger à une bête pendant un mois pour qu'elle sorte à 13 centimes? C'est ça la réalité. C'est-à-dire que si derrière, on ne paye pas l'éleveur, et ben du coup, lui, il est coincé, et donc il donne à manger ce qu'il peut. Enfin, entre guillemets, il fait... Soit il sort du système, mais après, les éleveurs, ils sont souvent, et ça encore, c'est important de le dire, ils sont pris au piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez créer un élevage, le banquier va vous dire, ok, moi, je te fais ton prêt. Maintenant, pour avoir ton prêt, il faut que ta superficie elle soit suffisamment grande pour que tu puisses avoir les subventions européennes, les subventions françaises, les subventions machin. Et donc, on pousse les gens à aller toujours plus haut, toujours plus haut. Une fois que les gens ont fait les crédits, ils sont coincés, en fait, parce qu'eux, ils bossent toute la journée et ils n'ont rien à manger. Enfin, et en fait, c'est une espèce de chaîne en avant, mais qui n'est pas dans leur intérêt à eux. Aujourd'hui, on les contractualise aussi, alors, soi-disant pour les sécuriser. C'est-à-dire qu'on leur donne pendant pour 3 ans ou 5 ans à l'avance, on va leur dire, bah, nous, on t'achètera ton poulet à 14 centimes, par exemple, ou alors 16. Que ça marche ou que ça marche pas, on te l'achète à 16. Mais en fait, ils sont pieds et poings liés parce qu'ils sont obligés d'acheter les aliments à la même coopérative qui va leur acheter, à la même coopérative ou entreprise qui va leur acheter. Ils sont obligés d'acheter les médicaments à la même... Enfin, tout est... Voilà. Et on se retrouve, alors heureusement, avec certaines personnes qui arrivent à sortir du système. Mais pour sortir du système, il faut avoir remboursé ses crédits. Et ces gens, c'est des crédits, c'est des colossaux. Hein. Les gens, ils sont complètement coincés. Donc, soit il y a le gars qui a été suffisamment visionnaire au départ et qui s'est dit, ben, moi, je vais faire une toute petite structure. J'aurai comme autrefois quelques poules, quelques vaches, quelques machins. Et on va voir ce que ça donne. Et en général, ils s'en sortent pas beaucoup plus mal que les autres qui bossent comme des malades pour rien. Et même, ils s'en sortent souvent mieux s'ils arrivent à créer un tissu local de clients, de gens qui peuvent les aider le jour où il y a une grosse opération à faire, etc. Ils arrivent à s'en sortir. Mais on en est très très loin parce qu'on les prend au piège tout de suite. Et on les prend au piège dès les écoles d'agriculture, où on leur apprend plus du tout l'élevage biologique, l'élevage éthique, l'élevage marin, tout ça, ça n'existe pas. C'est production industrielle. On n'est pas dans les mêmes... mesure, et en fait, on biaise les trucs. Alors, il y a les gars qui sortent tout de suite en disant, mais ça, c'est pas du tout ce que je voulais. Aujourd'hui, on a peut-être de la chance qu'il y a des gens qui reviennent à l'agriculture, qui sont des vrais passionnés des animaux, qui disent, moi, c'est autre chose que j'ai envie de faire, mais ils sont pas nombreux.
Et c'est pas simple, hein, parce que si vous êtes un urbain et que vous allez à la campagne et que vous découvrez tout le monde de la campagne, il y a du boulot, quoi. Alors, il y a des associations qui les accompagnent. Aujourd'hui, je pense notamment à Terre de Liens, etc. Mais c'est pas simple. Donc voilà, je crois qu'ils veulent cacher tout ce qu'ils font, en fait. C'est, mais bon, en vrai, il faudrait leur poser la question à eux directement. Je crois que ça serait plus pertinent. Question ? Non, vous n'avez rien à dire. Perrine, est-ce que tu voulais faire dire un petit mot ? Manger léger. Je pense qu'effectivement, tout ce qu'on peut entendre par des enquêtes comme la tienne sur les abattoirs ou celle de L114, tout ça, ça provoque des réflexions qui entraînent des changements dans l'alimentation des gens. Et c'est une bonne chose parce que du coup, moins il y aura de demandes pour ces produits d'origine animale, plus on aura de facilité à faire changer les pratiques, que ce soit dans les exploitations d'élevage ou plus tard dans la chaîne, dans l'abattage et ainsi de suite, parce qu'il y aura moins de demandes, donc on pourra peut-être faire quelque chose de meilleure qualité. Mais bon, à voir. Sinon, on peut aussi manger végétarien et ça marche bien. Non, vous ne devez pas se cacher de quelque chose. Les bactéries, les choses, il y a plein de choses. Hein. Bonjour, je voulais juste savoir si vous n'avez pas eu de problème avec les abattoirs dû au fait qu'ils ont découvert que vous étiez fait passer pour quelqu'un d'autre, que vous avez fait des images en caméra cachée. Il n'y a personne qui vous a attaqué en justice ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas eu de soucis suite à la diffusion des images? Non, j'ai pas eu de soucis du tout. Après, ce qui s'est passé, ça a été compliqué, notamment pour l'OABA, derrière. Parce que Bigard, les abattoirs Bigard, ont dit que du coup ils n'avaient plus le droit de rentrer. Effectivement, ça a été un souci. Moi personnellement, j'ai pas eu de problématique non plus parce que j'avais demandé d'autorisation, j'ai pas. Après, je fais mon travail. C'est-à-dire que c'est pas parce que si on vous dit non, tu fais pas, et les mecs qui sont en train de mourir à côté, j'ai mon boulot, c'est d'aller voir ce qui se passe. Enfin, donc j'y vais. Donc ça, pour moi, c'était pas un souci. Et après, comme c'est filmé, la caissière par exemple qui dit. Il n'y a pas d'inspecteur vétérinaire, donc c'est moi qui regarde. Et je lui dis, ah bon, mais en fait, comment ça se fait? Vous avez fait une formation vétérinaire? Ah ben non, moi je suis caissière. Enfin, voilà, elle dit la vérité, donc après, vous ne pouvez pas dire que ça ne s'est pas produit. Voilà. Après, il y a, par exemple, sur les questions du rituel, je vous parlais des abattages rituels en disant, pour moi, une bête souffre plus, sauf si c'est très bien fait et c'est dans un contact où les bêtes sont prises une par une. Enfin, sauf que ça n'existe pas. Hein. Aujourd'hui, il faut voir pour des questions de rentabilité. Sur le rituel, il y a des soucis de bactéries notamment. Parce que quand vous abattez une bête de façon conventionnelle, comme je vous disais, on l'assomme, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va couper juste les veines des deux côtés là, pour que le sang parte à gros flot. Quand c'est un abattage rituel, puisque la bête doit être vivante, vous ne pouvez pas décider de couper juste là ou là. Donc vous coupez tout, et vous êtes obligé de couper la trachée notamment. Et par la trachée va sortir. Parfois, un certain nombre de bactéries que les bêtes ont dans leurs différentes panses, et notamment des Escherichia coli. Ces Escherichia coli, ils sont problématiques parce qu'ils sont dangereux pour les jeunes enfants, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, ou les gens qui ont des défenses immunitaires assez faibles, parce que ça peut provoquer des syndromes très graves qui vont... Alors ça commence d'abord par des diarrhées sanglantes, des choses comme ça, mais ça peut aller jusqu'à des syndromes, ça s'appelle CHU, syndrome hémolytique urémique, c'est-à-dire que vous avez tous les organes vitaux qui se bloquent en même temps, et si vous n'êtes pas près d'un hôpital, en gros, votre pronostic vital, il est engagé très lourdement. Et en plus, si le médecin à l'hôpital ne sait pas le détecter tout de suite, c'est compliqué. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi ça pose plus de soucis? Parce que ces bêtes ont parfois régurgité. Par exemple, ça, j'ai une vidéo où vous la voyez, la bête qui régurgite, donc ils ne peuvent pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné où le poids des mots choque des photos. Enfin, et donc, ça régurgite sur les ventes de cou. Normalement, ces viandes de cou, si elles sont bien parées, c'est-à-dire qu'on enlève les parties contaminées, ça ne pose pas de soucis.
Le problème, c'est qu'encore une fois, pour des questions de rentabilité, on va parer le moins possible. On va enlever moins. Parce que si vous enlevez de la viande, ben, ça fait moins de kilos, et ça fait moins de kilos pour l'éleveur qui va râler si vous lui avez enlevé de la viande, et moins de kilos pour l'abatteur qui vend derrière au kilo aussi. Donc, quand vous avez toute la chaîne, vous allez avoir des bouchers qui vont vous dire « Mais moi, ça m'arrive maintenant de récupérer des bêtes, elles sont toutes souillées. » Alors, les bons bouchers, eh ben, ils vont parer eux-mêmes. Tant pis, ils perdent un peu d'argent. Mais les gros industriels qui font du steak haché, ben, on met tout ça dans des mixeurs et on tourne, en gros. Donc, vous avez des bactéries. Et c'est pour ça qu'on a régulièrement des problèmes. C'est une des raisons pour lesquelles on a régulièrement des problèmes avec ces Escherichia coli. L'autre source de contamination, c'est au moment où on va fendre la bête, c'est-à-dire qu'on va couper la peau, retourner la peau. C'est-à-dire qu'il faut éviter par tous les moyens que les bouses qui sont collées sur les peaux des animaux touchent la viande, parce que cette bouse est potentiellement porteuse de ces bactéries qu'on retrouve soit à l'intérieur, soit dans les matières fécales. Donc ça, c'est un souci. Le steak haché, on a un autre souci, parce que nous, en France, visiblement, on aime la viande saignante. Et que, en fait, ces bactéries, elles ne posent plus de soucis si elles sont suffisamment cuites. C'est-à-dire que si vous dépassez 70 degrés, que le steak haché est bien, bien cuit, il n'y a plus de problème. Mais si vous le mangez saignant, alors là, et qu'il y avait un souci, vous vous retrouvez avec des vrais problèmes. Et après, on dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais moi, j'en ai rencontré plein à l'occasion de ce reportage, des jeunes enfants qui ont été contaminés. C'est très problématique. Non seulement ils ont passé beaucoup de temps à l'hôpital, ils ont eu plusieurs dialyses, c'est-à-dire qu'ils ont le pronostic de greffe du rein qui leur pend au nez, ils auront des problèmes d'infertilité. Enfin, c'est des choses extrêmement lourdes. C'est des enfants qui sont bien atteints derrière. Et ça, ça a des conséquences. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure des abattoirs mobiles qui existent dans certains pays européens. Je voulais savoir si vous étiez allé visiter certains abattoirs mobiles et vous parliez d'organisation, tout ça. Où en est la France par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des perspectives en fait pour redéfinir un peu tout ce système, notamment quand vous parlez des services d'inspection vétérinaire, mais aussi voilà, de ces abattoirs mobiles, où est-ce qu'on va, où on en est, et voilà. Alors, la bonne nouvelle de cette loi égalité alimentation, c'est qu'ils ont autorisé l'expérimentation des abattoirs mobiles pour une durée de 4 ans à compter de la publication du décret. Okay, c'était la façon de faire. Donc, quand le décret sortira, bonne question, sachant que les bruits de couloir disent que visiblement, c'est pas... Le ministère n'est pas très chaud pour sortir le décret rapidement. Donc ça, c'est à suivre. Donc il faut que les associations qui sont mobilisées continuent à mobiliser. Ça peut toujours être utile. Et puis, est-ce que j'ai vu, moi, des abattoirs mobiles? Non, pas encore. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des choses qui avaient été faites, des films qui sont très intéressants qu'on trouve sur Internet. Mais j'y suis pas encore allée. Mais ça fait partie de mes objectifs. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs expérimentations qui sont plutôt bien construites déjà en France, dans différentes régions, où là, il y a des regroupements d'éleveurs, quelquefois avec des abatteurs, c'est-à-dire qu'ils tueraient les bêtes à la ferme et après, ils emmèneraient les bêtes mortes à l'abattage, à l'abattoir, parce qu'il faut des endroits pour les stocker, des frigos. Ça demande des financements importants, parce que c'est pas des frigos basiques, il faut des températures extrêmement stables, des froids tournants, enfin voilà, il y a des choses voilà, qui sont un peu techniques. Donc il y a cette possibilité-là. Après, il y a une autre possibilité qui existe avec une autre éleveuse. Et là, c'est une espèce de double semi-remorque, en fait, où là, en fait, tout peut se surélever. C'est-à-dire qu'ils peuvent abattre la bête dans le camion, ils peuvent la stocker dans le camion, ils peuvent l'emmener ensuite dans les ateliers de transformation. C'est une possibilité, mais pour l'instant, ça sera que des petites expériences. Mais je pense que c'est intéressant de voir ce qui va advenir de cette idée-là. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Enfin, moi, je me souviens des petits abattages à la ferme, même si ça m'a traumatisé pour certains, parce que ça s'est resté marqué. Et des abattoirs industriels, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Après, il y a des notions de rentabilité. C'est toujours pareil. Combien les gens sont prêts à mettre dans leur viande, combien les gens d'un côté, ils veulent tout, bien-être, bien machin, et puis ils vont acheter le truc le moins cher parce que, bah ouais, mais le truc moins cher, ça ne marche pas, parce que comme je vous disais, il faut nourrir la bête, bah, il faut que l'éleveur puisse se nourrir, hein, nourrir ses enfants, enfin, et que toute la chaîne puisse se nourrir. Oui,
moi, je voulais reparler du personnel des abattoirs. Est-ce que vous avez pu avoir des contacts avec eux en discutant et afin de connaître leur regard sur ce qu'ils font réellement et est-ce qu'ils ont une vision négative ou est-ce que quelle vision ils ont de ce qu'ils de leur profession? Si on peut dire leur profession. Alors, c'est une question super intéressante. J'ai effectivement rencontré plein de gens qui travaillent dans les abattoirs. J'ai essayé de rentrer par les syndicats notamment, mais ce n'est pas le seul moyen. Et en fait, le niveau de formation souvent est assez bas. Et donc, du coup, je ne dis pas qu'il y en a qui ont du recul, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont beaucoup de recul sur la situation, notamment parce que c'est vraiment... un niveau de formation bas, les gens ils sont vraiment la tête dans le guidon, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de nourrir leurs enfants et ils travaillent, ils veulent plus. À un moment donné, les premiers jours c'est horrible et puis soit ils arrivent à passer ces premiers jours, soit ils n'y arrivent pas. En gros, soit ils arrivent à les passer et à garantir un revenu à leur famille, soit ils n'y arrivent pas. On est vraiment dans des contextes un peu comme ça. Et puis c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui il y a l'arrivée des tâcherons, je ne sais pas si vous avez suivi, et c'est-à-dire que. Pour que ça aille plus vite, il y a des gens qui sont payés juste au kilo découpé ou abattu, et donc pour pousser les autres ouvriers à avancer, donc c'est, tout ça contribue au fait qu'ils sont dans des conditions de santé mauvaises, qu'au bout d'un moment ils raccrochent parce qu'ils n'y arrivent pas, ou parce qu'il y a un accident. Mais il y a même, je vous disais, toujours je parle de Doubs, hein, comme si c'est mes préférés en ce moment, mais il y a un abattoir où je regardais les chiffres d'accidents du travail et j'arrive à, je crois que c'était 99%. Et vous dites, c'est pas possible, je comprends. Et j'ai vérifié 25 fois, etc. Si, ça va très vite parce que, alors, dans cet abattoir-là, en fait, les conditions, il y en a qui sont très modernes aujourd'hui, mais il y en a qui sont très, très dans leur jus, hein, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis le 19e siècle, presque. Et là, en l'occurrence, les blessures, les coups de couteau, c'est facile de se blesser dans un abattoir si c'est pas aux normes. Hein, c'est très. Donc, ils ont une réflexion assez difficile sur leur point de vue. Il y en a... Après, je n'ai pas non plus des gens qui viennent me voir comme ça en me disant là, c'est horrible. Il y en a beaucoup qui sont venus ou me font des petits signes en me disant viens voir, là, regarde sur le rituel, vraiment, c'est horrible. Encore une fois, pour des questions de cadence, parce que du coup, c'est plus compliqué. Alors vous allez avoir les gens du rituel de l'autre côté, parce qu'ils sautent donner la parole à tout le monde, qui vont vous dire, mais sur les étourdissements au matador, il y en a plein qui sont ratés. Certes, il y en a qui sont ratés, c'est vrai. Mais est-ce que du coup on dit on enlève tous les étourdissements ou on essaie d'améliorer le processus? Moi je serais plutôt pour améliorer le processus, mais voilà. Donc c'est le jeu de la communication après pour essayer de retourner les situations. Donc ceux qui font la mise à mort peuvent exercer cette fonction-là pendant 20 ans, 10 ans, 5 ans. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils évoluent? Alors c'est difficile, hein, si vous imaginez abattre 500 bêtes par jour. Faut y arriver. Ça dépend, il y en a qui restent, mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de les recruter, même les sacrificateurs en rituel. Aujourd'hui, on a tellement de mal à les recruter qu'on est obligé d'importer. Alors, c'est très peu dit, hein. Mais il y a des agences intérim qui sont spécialisées et qui vont chercher des gars au Maroc, en Tunisie, en Turquie, enfin dans des pays où il y a une plus grande tradition, où les gens savent abattre encore un peu, et ils importent des familles entières, en fait, Parce que nos petits jeunes musulmans français, par exemple, ils n'ont pas du tout envie d'aller abattre les bêtes parce qu'ils sont dans le même mouvement que la plupart de la société et que si on demande aux jeunes d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui iraient. Et ben c'est ça. On a une difficulté avec ça. Enfin, ils ont une difficulté avec ça pour les recruter. Et du coup, ils importent des gens. Donc on nous explique que c'est français, que c'est pour faire des... Enfin... Voilà. Mais c'est difficile. C'est sûr, c'est... C'est pas le métier qui a le plus de. Qui apporte le plus de satisfaction, ça c'est sûr. À l'heure actuelle, en tant que consommateur, ce dont il parle au niveau de traçabilité, c'est. Quelle que soit la viande qu'il y a en tant que consommateur et quel que soit l'endroit, la traçabilité, elle peut être faite de A à Z ou pas ? De l'origine ou pas? Alors, c'est-à-dire que plus vous allez acheter en local, plus c'est facile. C'est-à-dire que vous saurez où les bêtes ont été élevées, vous pouvez aller rencontrer l'éleveur, etc. Si un jour vous avez un souci, vous pouvez le retourner le voir, lui dire écoute, ton truc, il était bizarre. Alors, soit il est intéressé par ce qu'il fait, il va dire ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il va essayer de trouver des solutions et faire en sorte que ça s'améliore. Soit il s'en fout
et vous, vous changez d'éleveur, j'allais dire. C'est aussi simple que ça. Parce que vous avez une personne à qui vous adressez. Le problème, c'est quand vous avez une barquette. Hein, on en revient à cette barquette qui ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que la barquette, on ne sait pas qui, quoi, comment, combien de temps elle est restée au congélateur, combien de temps elle est restée, où elle est abattue, combien de kilomètres elle a fait, etc. Moi, la meilleure garantie pour moi, c'est le circuit court. Après, vous avez des labels. Hein, vous avez le label rouge, le label machin. Vous avez le label bio. Après, il faut voir comment chacun vérifie ses propres labels. Souvent, il n'y a quand même pas beaucoup de contrôle. Donc c'est un peu difficile. Label rouge, c'est pas mal. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que par exemple, un poulet bio, ça, je crois, il faudrait que à vérifier, hein, mais je crois que c'est 60 ou 65 jours minimum. Ça peut être 90, il y a des marques qui font 90 jours, ou des entreprises, ou des éleveurs. Et puis un poulet label rouge, c'est minimum 81 jours. Donc c'est-à-dire... Et un poulet, c'est bon quand il a eu le temps de grossir un peu naturellement. Donc l'idée, c'est d'avoir un label rouge bio, en gros, pour pouvoir avoir des bêtes qui ont pris le temps de grandir tranquillement. Parce que votre bête, en 81 jours, elle fera le même poids que celle qui a fait 32 jours. C'est ça, c'est un problème d'alimentation. Hein, c'est... Et donc il y en a une qui va être goûteuse, bonne, etc., que vous allez vous régaler. L'autre, ça sera un espèce de truc bizarre. Et si vous devez en manger qu'une fois tous les 36, et ben, vaut mieux manger un bon morceau de volaille que de manger un truc impossible. C'était pas tout à fait ma question. Ce que je voulais savoir, si vous aviez travaillé sur, par exemple, même sur les barquettes ou même sur la grande distribution, vous avez des services consommateurs et avec des tas de numéros. Est-ce que ces numéros, que ce soit chez le boucher ou que ce soit sur le marché ou en grande distribution, est-ce que ces numéros, quelle que soit la provenance et la vente, permettent aux consommateurs de remonter la filière, enfin, ou aux organismes s'il y avait un problème? Est-ce qu'à tous les coups, il y a une traçabilité réelle du produit? S'il y avait un problème, alors il y a un système du gouvernement et même d'Europe, il y a le système TRACE et le système RASP, qui effectivement, normalement, permettent de faire des rappels, des choses comme ça. Quand vous voyez la rapidité avec laquelle ils font des rappels, en général, c'est-à-dire toute la bête a déjà été mangée 3 fois, ça sort 15 jours après. Donc, potentiellement, c'est possible. Dans la pratique, ce n'est pas hyper efficace. Après, sur la traçabilité, sur les bovins, suite à la vache folle, on sait où ils ont été élevés, abattus et transformés. Vous avez chaque fois, normalement, le code d'établissement. Avec le code d'établissement, vous avez le département, et puis après, ça correspond à chaque fois à un code précis. Donc bon, voilà, pour les bovins. Normalement, on devait avoir la même chose sur les porcs, sur les volailles, etc. Mais pareil, ils ont fait un amendement ou un décret, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, on ne l'a pas. Ce qui est sûr, c'est que ça n'existe pas. Ils ont freiné des cas de fer, et donc on ne sait pas. Donc certains industriels disent où ont été abattus et élevés les bêtes, d'autres ne le disent pas, parce que c'est plus pratique. On se retrouve même encore aujourd'hui, par exemple, pour avoir une idée, dans la restauration professionnelle ou restauration rapide, 80% du bœuf consommé est importé. On est le premier producteur de bœuf français, européen. Pour la volaille, on est à peu près au même taux. Je crois que c'est 80% de la volaille est importée. Quand c'est importé, ça vient de Thaïlande, ça vient du Brésil, ça vient d'endroits où les normes que nous, on applique, qui peut-être nous paraissent pas suffisantes pour certains ou conformes, sont encore moindres en général, donc c'est un peu compliqué. Et le cochon, je crois qu'on est à 65%, c'est-à-dire que la plupart des saucissons que vous allez acheter n'ont pas été faits avec du cochon français. Alors, est-ce que ça veut dire que le cochon français est meilleur que le cochon roumain? Bonne question. En Roumanie, ils ont fait comme ils ont fait en France à l'après-guerre, c'est-à-dire que là, ils sont en train de faire de l'élevage intensif et ça devient une catastrophe, alors que ce n'était pas le cas avant, on était encore dans des petites fermes où chacun élevait son cochon. Enfin, donc, ils sont en train de vivre ce que nous, on a vécu. Voilà. Mais on peut remonter sur les bovins, sur les autres, c'est plus compliqué. Et c'est plus facile de remonter sur de la viande fraîche que sur de la viande congelée. Parce que la viande congelée, alors là... Parce que le problème, c'est que tout ce qui est transformé, alors ça a un peu évolué, mais à un moment donné, vous preniez un poulet, donc, encore une fois, je vais revenir sur Doux, mais Doux a fait beaucoup d'argent là-dessus, comme ça. Ils avaient obtenu des subventions pour importer des poulets du Brésil. Subvention européenne, c'était magique. Les poulets arrivaient ici, on leur mettait un peu de poudre de, je sais pas quoi, paprika, par exemple, on leur coupait les ailes, et ça devenait du poulet français.
une fois qu'il était français, eh ben, on avait une subvention pour l'envoyer en Afrique. Donc on a détruit toutes les fermes africaines. Et puis il a fallu l'intervention des Belges et des Hollandais, je crois. Enfin, ils sont revenus plusieurs fois au créneau pour dire à un moment donné, ce trafic français là, c'est plus possible. Et ça a fini par s'arrêter. Mais derrière, ils ont mis tout le monde dans la rue en disant les gens vont mourir de faim, etc. Ils sont allés en Europe, au niveau de la Commission européenne, pour pleurer un peu en disant regardez tous ces gens, etc. Ils ont obtenu un gros chèque qui n'est pas venu au petit gars qui disait qu'ils allaient perdre leur travail. Enfin voilà, c'est le système un peu perdu là. Tout à l'heure, je réitère. Allez-y. Je voulais savoir pourquoi vous ne parlez pas de l'impact colossal de l'élevage et de la consommation de viande sur l'environnement, sur l'écosystème général et sur le climat. Alors, parce que c'est... Je pense que c'est essentiel et je suis sûr que vous n'en parliez pas. Oui, parce que ce n'était pas mathématique au départ en fait. Donc effectivement, je n'ai pas travaillé dans cet aspect-là. Et comme je ne le connais pas, je veux dire, il y a d'autres gens qui ont fait des rapports, il y a des choses très intéressantes. Mais moi, je me suis concentrée au départ sur les abattoirs, vraiment l'univers abattoir, et j'ai remonté avant et remonté après, mais je n'ai pas travaillé sur cet aspect-là, qui est effectivement très intéressant. Mais comme ce n'est pas ma spécialité, voilà. Donc vous n'avez pas de sentiments sur ce... Ah, si, j'ai des sentiments, bien sûr qu'il y a ça a des impacts. Quand je vous disais, en Bretagne, où on a 60% des cochons et 40% des volailles sur 6% du territoire, en termes de pollution, c'est une catastrophe. Du point de vue écologique, c'est une catastrophe. Et c'est pas seulement une catastrophe du point de vue écologique, ça l'est aussi du point de vue de la santé humaine. Parce que les bêtes sont malades. Les cochons qui sont sur des caillebotis à respirer, leurs déjections sans jamais sortir, ils ont les poumons brûlés par juste les odeurs d'urine et d'excréments. Enfin, je veux dire, c'est quand même une réalité. Ces cochons-là, en fait, tombent malades parce que ça a un impact. Si vous vivez au-dessus d'une pissotière toute votre vie, vous n'allez pas être en bonne santé. Donc ça a un impact derrière sur leur santé, sur leur foie, parce que le foie notamment, c'est un filtre. Le foie de porc, par exemple. Alors, je vous donne une petite anecdote, ça va vous intéresser, c'est un peu étrange. J'ai aussi bossé sur la Corse, vous allez comprendre le lien, et sur les bons cochons corses, etc. En pratique, le vrai cochon corse élevé à la Corse, qui mange du gland dans les châtaigneraies, qui est élevé en 18 mois au lieu d'être élevé en 6 mois, on n'en mangerait que 10%. Tout le reste, c'est de la contrefaçon. Donc la contrefaçon, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Donc elle vient de Chine en partie, mais elle vient aussi de Bretagne, puisque là-bas, il y a un gros nid. Et je vous dis ça parce que les Corses, ils mangent une saucisse, la figatelle. Vous connaissez ça, la figatelle, c'est une saucisse de foie. Moi, c'est pas mon truc, mais il y en a qui aiment. Et ça se fait avec du foie cru séché. Mais du foie cru malade, breton, enfin en l'occurrence, il vient de Bretagne, qui est utilisé dans une saucisse dite corse, ça contamine les Corses aussi. Donc on se retrouve avec des taux de contamination, sachant que du foie contaminé comme ça, on peut avoir des crises d'hépatite E. Et on a des gros soucis d'hépatite E en Corse, dans tout le sud-est où on mange beaucoup de fidakeli, et dans tout le sud-ouest aussi, ils font beaucoup de cuisine à partir du foie et du sang des porcs. Donc derrière, ça a des impacts, et pas juste à petite échelle. Et effectivement, si on prenait, et je suis intéressée de voir, je crois qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait en France en tout cas, mais de voir le coût que ça représente. Parce que du point de vue environnemental, il faut nettoyer les plages, il faut nettoyer les cours d'eau, il faut fournir... Enfin, tout ça, c'est un coût énorme. Et qui c'est qui le paye? Effectivement, c'est la société qui le paye. C'est-à-dire que d'un côté, on va vous vendre du cochon pas cher, mais on va détruire tout le système. Et le cochon pas cher, il est beaucoup plus cher que ça, ce qu'il faut rajouter au prix, le nettoyage, les soucis de santé, le prix que ça représente. Quand vous êtes malade, ben, qui s'occupe de vos enfants? Donc il faut prendre en charge la personne qui va... Enfin voilà. Et en fait, aux États-Unis, par exemple, ils font ça très très bien, de faire des calculs très précis sur... et arriver à monter sur et voir combien coûte quoi, et ça c'est très intéressant. Une autre marque aussi par rapport à ça, alors je décale un peu, hein, mais j'ai pas beaucoup d'éléments, je sais qu'il y a des documents qui sont sortis, mais je veux dire, il faudrait mieux laisser les auteurs qui connaissent mieux le sujet que moi là-dessus, je reconnais ma limite dans le domaine, mais il y a des choses très intéressantes sur les problèmes de santé, par exemple
si vous écoutez le gouvernement, il va vous dire les restaurants sont contrôlés en permanence, etc. Statistiquement parlant, il n'y a pas assez de vétérinaires aussi pour contrôler les restaurants, pour contrôler les unités de production et pour contrôler les différents lieux. Un restaurant collectif, par exemple, donc aussi bien universitaire que professionnel, il va être contrôlé une fois tous les 12 ans en moyenne. Voilà. Un restaurant basique, bar à tapas, kebab, toute la liste des petits points, machin, statistiquement parlant, on est à un contrôle tous les 30 ans. Et dans les élevages, on est à un contrôle tous les 147 ans. Ça, c'est juste vous faites un ratio. Le nombre de personnes, le temps qu'il faut pour faire une visite, et c'est tout, en fait. Et le nombre d'éleveurs ou de restaurants ou de machin. Donc, on a des vrais soucis. Alors après, vous allez avoir des restaurateurs qui vont dire « Mais moi, je me fais contrôler tout le temps, c'est impossible, etc. » Oui, c'est vrai aussi, parce que lui, comme les premières fois qu'ils sont venus, ils ont trouvé plein de trucs, ils se disent « Bah, c'est facile, on y retourne chez lui, de manière, on gagne à tous les coups. » Donc voilà. Mais ce n'est pas le bon système. Le bon système, ce serait de faire à la fois de la prévention. Ce n'est pas juste d'arriver et de taper sur les gars en disant « Voilà, vous payez tant, et puis voilà. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et à un moment donné, il faut aussi faire de l'éducation positive, je veux dire. Mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Et encore une fois, qui paye les conséquences? Parce que là, avec l'arrivée de Macron au gouvernement, ils ont décidé à ce moment-là que tout allait être transparent, etc. Donc, L214, je ne sais pas si vous vous souvenez, sort ses vidéos. On revient au truc. Et du coup, le ministre de l'Agriculture fait semblant de découvrir ce scandale et dit « Oh là là, on va lancer un contrôle de tous les abattoirs ». Il contrôle tous les abattoirs et on se rend compte, je crois que les chiffres, c'est 80% sont non conformes, encore aujourd'hui. Alors après, dans les non-conformités, il y a des degrés différents. Il y a le papier qui n'a pas été bien rempli, c'est une chose. Après, il y a les thermomètres, les frigos qui ne sont pas aux normes. Enfin, voilà, en termes de gravité, il y a des choses très différentes. Donc voilà, ça est. Et au tout départ, il s'était engagé à beaucoup de transparence. Donc on s'est retrouvé avec les comptes rendus des visites des abattoirs intégrales, les comptes rendus intégraux sur Internet et accessibles à tout le monde. Et puis, je pense que l'industrie a beaucoup râlé. Et donc aujourd'hui, on n'a plus droit qu'à des smileys. Donc si vous tapez le code, par exemple, ça vous intéresse, vous prenez votre morceau de viande, vous tapez les différents codes des endroits où est passé votre steak, ils vont vous mettre un smiley qui rit, un smiley qui pleure, mais ça ne vous donne aucune indication sur ce qui est fait derrière. Donc c'est, encore une fois, ils sortent quelque chose et pof, c'est le système pour l'instant. Anne, tout à l'heure, tu parlais de l'abattage rituel. Il faut aussi dire que la viande de cet abattage rituel, en fait, n'est pas seulement destinée à la nourriture, aux personnes qui achètent cachère ou halal. C'est aussi mis dans le cycle de distribution en fait, classique. Absolument. En travaillant sur les chiffres, on s'est rendu compte aussi, ça c'est un point important, qu'on a quasiment un bovin sur deux qui est abattu de façon rituelle. On est quasiment à 80 à 90%, les chiffres varient, c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis, mais de 80 à 90% sur les agneaux et les moutons, on en est à peu près, agneaux-moutons, et qu'est-ce que j'ai oublié comme bête, les cochons, bah forcément il n'y a pas, et voilà. Et les volailles, on est à 40% à peu près en rituel. Sauf que si on prend la population française susceptible de consommer de la viande rituelle, on est plus à 7% de la population. Donc on a un gros décalage. Ce décalage-là, les industriels, ils vous diront mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Ils sont montés au créneau, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était suite au reportage en mail spécial. En fait, après, Marine Le Pen est montée au créneau. Enfin, bon, ça n'a pas été très bien géré en termes de communication. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai fait ce bouquin, parce que je voulais pouvoir rétablir et justement mettre les nuances et les tenants et les aboutissants sur chaque point. Le gouvernement a dit non, c'est pas vrai. Sauf que c'est un secret polichinelle, tous les industriels le savent, et tout le monde qui vous leur parlait en off vous dira absolument c'est vrai. Les bouchers étaient coincés parce que ceux qui étaient honnêtes et concernés, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais qui étaient concernés par la façon dont leur bête avait été abattue, étaient soit obligés de mentir à leur client, soit obligés de faire l'autruche en gros, et certains en ont eu marre. Donc ils sont montés au créneau en disant ben, nous on veut savoir, sauf que les industriels en fait, concrètement, ça leur fait faire des économies de faire du rituel. J'explique. Normalement, entre l'abattage conventionnel et l'abattage rituel, il faut nettoyer complètement la chaîne. Parce que c'est. Voilà, il ne doit pas y avoir de contamination. Nettoyer une chaîne, suivant la taille de l'abattoir, ça peut prendre 2-3 heures. Enfin, donc, c'est 10 personnes immobilisées qu'il faut quand même payer. Enfin, donc, ça a un coût. Que par ailleurs,
les gens de la filière viande vont vous dire, et c'est à juste titre, que suivant votre origine ethnique ou suivant vos pratiques religieuses, vous ne consommez pas forcément les mêmes types de viande. C'est-à-dire que par exemple les abats, les musulmans mangent encore beaucoup d'abats parce qu'ils savent les cuisiner, parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est voilà. Alors que dans la société dite de consommateurs de viande conventionnelle, on mange moins d'abats qu'avant, on est plus steak haché, voilà, on fait des trucs fastoches. Et donc ils vont vous dire, oui mais moi quand j'abats une bête, comment on fait? C'est-à-dire qu'il y a une partie de la bête qui va partir en rituel, l'autre pas. Donc moi j'abats tout en rituel, parce que si c'est abattu en halal, il n'y a pas d'interdiction religieuse pour le cachère. Et si le consommateur de viande conventionnelle ne le sait pas, où est le problème, entre guillemets? Vivons heureux, vivons cachés. Hein, on en revient à la question que vous posiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Tout, en gros. Donc il y a ça. Donc il y a une première question pour des raisons économiques. Il y a une autre question qui est très importante, c'est que par exemple, pour abattre une bête, un bovin, encore une fois, en cachère, vous allez avoir l'intervention d'un shoket, donc un sacrificateur juif qui va abattre la bête. Et en général, ils vont tuer 3 bêtes pour en garder qu'une seule. Et quand je dis une seule, ils en gardent qu'une demi. Parce qu'en fait, ils vont garder... On peut consommer de la viande cachère jusqu'à la 8e côte. Et après, on considère qu'elle est impure. Sauf en Israël, où en Israël, ils ont du personnel formé qui arrive... Parce que c'est une question de nerf sciatique. Qui arrive à enlever le nerf sciatique sans abîmer la viande. Donc là-bas, en Israël, comme ils ont... Voilà, ils arrivent. Et partout ailleurs, ils n'y arrivent pas. Bon. Et donc... Ça veut dire que vous vous retrouvez avec une demi-bête et vous en avez abattu 3. Donc soit vous avez 2 bêtes et demie que quelqu'un veut bien acheter. Là encore, les consommateurs de viande halal n'ont pas d'interdiction religieuse à manger du cachère. Parce que sinon, votre demi-viande, elle va vous coûter le prix de 3 bêtes. Vous voyez, c'est pas possible financièrement. Donc eux, ils sont très contents que les autres puissent consommer leur viande sans que ça pose de soucis. Donc là, il y a un autre problème. L'autre problème qui se rajoute à ça, c'est les taxes qui sont prélevées pour l'abattage cachère ou l'abattage halal. Sur l'abattage cachère, vous avez des taxes qui vont de 1,80€ à 2,20€ à peu près du kilo, qui servent à financer le grand rabbinat. Et pour vous donner une idée, ça finance, je crois, à peu près 60% des activités culturelles du grand rabbinat. C'est important, c'est un budget pas négligeable. Pour le halal, on est plus près de 8 à 10 centimes du kilo, et ça dépend encore d'un certain nombre d'organisations et de systèmes de certification. Donc ce n'est pas les mêmes montants. Mais personne n'a envie de s'asseoir sur ces revenus. Les juifs sont extrêmement vigilants aussi sur la question de l'abattage cachère, et à juste titre, parce que pendant la guerre 39-45 en Allemagne, la première mesure qu'a pris Hitler contre les juifs, c'était justement d'interdire le cachère. Donc effectivement, dès qu'on commence à parler de cachère, ils sont hyper vigilants et parfois un peu overréactifs, je pourrais dire. Je vous engage d'ailleurs à regarder sur Internet. Tout le monde a été auditionné par la commission du Sénat à plusieurs reprises, les représentants religieux. Et écoutez-les sur Internet, vous ferez votre propre idée. Ce qui vous explique que les bêtes ne souffrent pas, en fait. Toute personne qui était dans un abattoir pourra vous dire que, même si ça va vite, elle souffre un peu. Mais de lui dire qu'elle n'a pas mal du tout et que c'est une partie de plaisir, on en est quand même très très loin. Enfin voilà, il y a un moment donné, il faut dire les choses. Mais oui, on a ces deux différences. Donc pareil, après ce scandale, le gouvernement avait dit on va imposer aux acheteurs de viande de dire pour qui c'est destiné, et du coup, les abatteurs ne pourront abattre que si c'est destiné en halal, pardon, que si c'est destiné à un public de consommateurs halal et que en cachère. Et puis ça a vite été enterré, et voilà, on n'en parle plus parce que c'est très désagréable, ça les oblige de calculer, c'est difficile. On y arrive pour les voitures, à faire toutes les pièces, mais bizarrement, on n'y arrive pas pour les autres, pour les animaux. Donc, autant on a construit la chaîne sur le même principe. Je ne sais pas si vous... C'est Ford qui, à un moment donné, s'était rendu compte... On a copié les constructeurs de voitures en se disant, mais si on fait des voitures dans un sens, on va pouvoir déconstruire un animal dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette industrialisation qui est, je crois, un peu nuisible pour tout le monde. Il faut être réaliste. Les cochons, vous avez mis le sujet... C'est vrai, on n'a pas parlé beaucoup des cochons. Pourquoi on ne parle pas des cochons? Ah, mais on peut parler des cochons. Alors, les cochons, ça s'entraîne. C'est ce que je vous disais, les abattoirs de cochons, c'est horrible, parce que c'est des omnivores carnivores, et ça sent beaucoup plus mauvais un abattoir de cochons qu'un abattoir de bovins, qui sont des herbivores, ou d'ovins, qui sont des herbivores aussi. Sur le cochon, on a aussi d'autres soucis. Hein. On a des soucis de ténia, qu'on trouve chez le cochon, mais aussi, je ne sais pas si vous savez, le ténia du bœuf, ça existe. On a plus de cas de ténia de bœuf que de ténia de porc.
On a des problèmes, je vous disais, d'infection pulmonaire et de problèmes de foie contaminé qui provoquent l'hépatite E chez les cochons. Il y a un certain nombre de problématiques. Après, si vous avez des questions plus précises, je peux bien répondre à votre question. Non, mais moi, c'est toujours le sujet de la souffrance qui m'émeut et qui me consterne. Donc, c'était pour savoir quel regard donner sur le sujet. Alors, sur le mode d'abattage des cochons, en général, ils sont gazés, souvent gazés. Alors, quand ça fonctionne bien, ils sont gazés. Après, ça veut dire beaucoup. C'est pas forcément très joyeux, hein. Je crois que ça ne fonctionne pas très bien, le gazage des cochons. En fait, c'est toujours pareil, c'est un problème de réglage du matériel, etc. D'ailleurs, là, il y a encore l'OAV, la Commission européenne des inspecteurs vétérinaires, a fait des remarques justement sur les différents gazages, plus sur le gazage des volailles d'ailleurs, en disant vous inventez des normes qui sortent d'où, scientifiquement, elles sont établies sur quoi, avancer là-dessus, travailler là-dessus. Sur l'électricité aussi. Le problème, c'était l'électricité, parce qu'on peut, les volailles, par exemple, on les met, soit on les gaze, mais ça demande des infrastructures un peu compliquées, soit on les fait passer la tête à l'envers dans l'eau, dans lequel on a fait circuler un petit courant électrique pour les assommer. Effectivement, il suffit que la bête, elle se lève à ce moment-là, et elle n'a pas forcément envie d'être retournée par les pieds, donc elle se lève, et donc il y en a plein qui sont pas étourdis, du coup, qui sont pas assommés. Donc oui, il y a des vrais problèmes... parce qu'il faut, enfin, il faut se baser sur des trucs scientifiques si on veut vraiment que ça marche, en fait. Et alors les volailles, par exemple, sur ce sujet-là, quelle solution ? On la connaît, et on connaît le problème, et il n'y a pas de solution de... Il y a d'autres pays qui travaillent mieux que nous sur ces questions-là. C'est-à-dire que les normes, on les connaît, en fait. C'est juste qu'il faut avoir envie de les appliquer. On peut. Après, sur les volailles, contrairement aux autres espèces, il y a beaucoup d'abattage à la ferme. Il y a, je crois, je sais plus, je vous dirai le chiffre si vous avez besoin, mais je crois que c'est 600 abattoirs à la ferme. Mmh. C'est-à-dire que les bêtes, à ce moment-là, sont élevées et abattues sur place. C'est-à-dire pour abattre une volaille, il ne faut pas grand-chose, il faut juste un petit couteau et un truc pour le maintenir. Après, il faut un laboratoire propre, etc. Mais du coup, les bêtes souffrent moins, effectivement, si elles sont abattues à la ferme, dans le principe. Parce qu'il n'y a pas de transport, parce qu'elles ne sont pas entassées dans des espèces de cageots, parce qu'elles ont déjà été mieux élevées après, parce que, encore une fois, c'est la personne qui l'a élevée qui va l'abattre. Et je crois que là, si on raccourcit la chaîne, ben, y a une vraie notion de la notion de bien-être, elle est plus présente, je pense. Enfin, en tout cas, on le note chez les gens qui travaillent à la ferme. Le problème, c'est quand ils abattent, il y a des gros abattoirs, ils abattent 40 000 volailles la journée. Vous voyez le chiffre ? Donc, c'est même pas des numéros, ça passe tellement vite qu'ils ont le temps de rien voir. Enfin, les bêtes, si, mais les humains, à un moment donné, il y a un côté où... Même pour les inspecteurs vétérinaires, hein, si vous regardez, ils ont 12 secondes par bête. Pour regarder si la bête elle est conforme ou pas, 12 secondes, et vous passez la journée à regarder des chaînes qui défilent comme ça, vous pouvez pas faire un travail efficace. D'autres questions ? On va finir la conférence. Merci Anne et Perrine pour votre participation. Anne va être en dédicace sur le stand de Lire au Jardin avec son livre Bon Appétit, qui est un livre absolument passionnant. Il y a toutes les références pour le coup. Hein. Vous pouvez vraiment. Voilà, il y a vraiment tout est chiffré. Alors malheureusement, le monsieur est parti pas sur l'environnement parce que j'ai pas travaillé dessus, mais voilà, sur tout le reste, vous trouverez beaucoup de sources. Le prix au syndicat. 19,50. C'est pas à moi, hein, c'est l'éleveur. Hein. Le libraire, pardon. l'éditeur, pardon. Rendons à César ce qui est à César, c'est l'éditeur. Et donc, Perrine, à 16h45, fera un atelier sur l'équilibre alimentaire. C'est ça. Voilà, donc si vous n'êtes pas inscrit, je crois qu'il reste encore des places disponibles, donc n'hésitez pas à revenir à 16h45. Ouais, si vous réfléchissez pour faire la transition ou pas la transition, elle a toutes les réponses. Quelques-unes, en tout cas. Ouais. J'avais une question par rapport au public.
C'était juste le nombre de personnes qui consomment de la viande dans le public, pour à peu près évaluer par rapport à votre public, le nombre de personnes qui sont uniquement végétariennes. Ah ben, c'est ce que vous voulez vous prêter au jeu. Est-ce que ceux qui mangent de la viande veulent bien lever le bras? Oui, il y a une grande minorité, je dirais. Une petite dizaine. Hein, hein, ouais. Voilà. Et ben, c'est d'autant plus louable pour les autres d'être venus parce qu'il y en a beaucoup qui refusent et en fait s'intéresser à ce qui se passait bien. Si jamais vous avez envie de références pour dire aux autres arrêtez de manger de la viande, vous allez avoir les références là. C'est, je crois que c'est la meilleure chose, c'est effectivement de s'informer et de parler de choses concrètes en fait. Bon ben merci à tous, bon après-midi et n'hésitez pas à faire un tour à la Vegan Place si vous ne l'avez pas fait encore. Et bon appétit. Eh oui, bon appétit, il y a plein de petits trucs sympas à manger aussi. Hein. J'ai commencé à faire le tour.